Salut tout le monde, salut à tous, voilà. Un nouveau let's play de Resident Evil 5. On va commencer tout de suite. Attends, on va regarder configuration système. Normalement, tout est bon. Mention blur, plein écran, 60 Hz. C'est ok. On va commencer sans plus attendre. Commencer. Evil 5. Le profil du joueur auquel vous êtes connecté ne contient pas de données de ne contient pas de données sauvegardées. Vous devez créer des données sauvegardées pour pouvoir sauvegarder votre partie. Créer une nouvelle sauvegarde. Bah oui. Bah jouer. Nouvelle partie. Amateur, parce que je suis un gros sac à viande. Section A, non. Commencer. C'est parti! Alors, je ne le connais pas du tout, hein, vraiment. Je sais qu'il est sorti en 2009. Ce sera un let's play découverte. C'est un peu dégueulasse quand même les Resident Evil. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. Dans les effets, c'est vraiment pas mal. Should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. Jill Valentine. Edouard avait fait une vidéo sur l'histoire de Jill Valentine avec une coopération avec Dark Chaos. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey, Nini Hafa. You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through.
Chapitre 1. Le point de contrôle civil. Ok, bah on commence direct. Chris Sheva, can you read me? Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Alors apparemment pour certains fans sur Resident Evil 5 il est très mauvais. Après c'est vraiment pas le puriste, hein. Moi je suis pas un puriste de Resident Evil. Hein. J'avais joué à ce Resident Evil 5 il y a très 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 longtemps. C'était sur PlayStation 3. C'était chez un copain. Je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Ouais, bon bref. Donc voilà. Bonjour. On va où en fait? Ah! Mais c'est quoi l'intérêt d'actionner la carte tout en bougeant la caméra? Ouais. Je dois aller par où? Ah, je dois aller. Alors, je dois aller par où? Ok, je dois aller par là. Putain, mais... Ah... Ah si, on fait... Ah... Ah d'accord, j'ai compris en fait. Ah, ah si, c'est pas si con. Ah oui, ça permet de diriger Chris Redfield. Déjà une cinématique? C'était quoi l'intérêt sur une cinématique de ce genre en fait? Je dois rentrer dans le magasin? Earth for Flesh and Quality Meat, Corner Piami Butchery. D'accord. Ah ouais, je dois aller tout droit, je dois aller là. Chris Redfield, go around to ouais, c'est moi. En personne, ouais. Je suis là depuis les Resident Evil 2. Ah. Puis sur RB. Good, you're both here. Come. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here.
Jackson. Ah, des armes. Ah bah oui. Ah. Regarde. Alors, on a un gilet pare-balles. Destination coordinates? Town squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Ok. Bon. Attendez, on va examiner quand même les endroits. Ça grouille d'insectes, la viande est est putréfiée. Ah. C'est comme dans Harry Potter 2, hein. Vous savez, quand les élèves sont puris. Pétrifiés. Ils ont pas voulu dire pétrifiés. Putréfiés. Ça se dit ça ce mot, putréfié? Pétrifié, ouais, d'accord, je veux bien. Putréfié, ça existe. Ça se dit. Alors moi, je suis peut-être pas si sûr que ça. Bon, bref, alors. On va où? On doit aller par là. Donc tu me suis? D'accord? Voilà, c'est par là. Ah mon dieu! Ah, c'est pas très joli, joli. Ah, j'espère que je vais pas recevoir des droits d'auteur de chez Capcom. Ah, j'ai déjà reçu des droits d'auteur de chez Capcom de Devil May Cry Definitive Edition. Là, ça va. Ça va bien 2 secondes, les conneries. Hein. De chez Monsieur Capcom. Oui, Capcom. Je vous ai à l'œil. Oh mince, c'est par là. Hop. On avance. Oh mais regardez Doudou. Oh non. Oh mais regarde. Oh non, il a les pattes écartées. Oh. Oh, il a les pattes écartées. C'est dégueulasse. Ah, il a vraiment... Ah, oh, c'est dégueulasse. Il a les pattes écartées. Oh. Ah, oh, c'est dégueulasse. Non mais s'il vous plaît. Les enfants. C'est pas pour vous. Je suis obligé de préciser quand même. Hein. Okay, on sait jamais. Oula. Oui, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu ça. Edouard. Ah, mais c'est pas... Edouard, ça vient pas de son pseudo Resident Evil. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est hyper dégueulasse. Ah, c'est immonde. C'est immonde. Je crois que je vais revenir mon oasis. Are you okay? Non. Oh. Il a été infecté. Hein?
the hell just happened? They didn't move like any zombies I've ever seen. C'est dégueulasse. On va où maintenant? Ouais, je pense qu'on va peut-être pas trop s'attarder. S'il y a une nouvelle cinématique, et bon, on s'arrêtera là. Hein Par contre, c'est pas où. Tu sais toi où est-ce qu'il faut aller? Ah, ça va être par là. Bon. Tu te bouges? À chaque fois, dans les jeux vidéo, quand vous êtes coéquipier avec un personnage, quand le personnage ne veut pas se bouger, croyez-moi, ça vous casse les couilles. Take this. De quoi? Ah, il y a des trucs à prendre? They'll find us soon. Ne nous arrêtons pas. We need to get to that house. We'll have a better. Alors, faut courir, d'accord. Alors, faut... Kirk, the locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? Allez, on peut enfoncer cette porte. Come on! Okay. Ils vont tout seuls. Sauvegarde en cours. Bon. On va s'arrêter là, je pense. D'accord. On se dit bye bye. À la prochaine. Tchuss. Tchubaisimer.